vise à renforcer la capacité des femmes candidates aux élections législatives prochaines. Et je crois que la loi 052 permettra, comme ça a permis à avoir près de 3000 conseillers communaux, cette loi permettra d'avoir un bon pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Et nous exhortons à plus d'engagement et à plus de mobilisation pour que nous puissions récolter ce nombre important de femmes à l'Assemblée nationale. Les femmes représentent une partie importante de la population malienne. Et alors, ce n'est que justice qu'elles puissent avoir une représentation à souhait au niveau de l'hémicycle pour qu'elles puissent elles-mêmes adresser les problèmes et les préoccupations qui sont les leurs et qui sont des préoccupations nationales. L'appel, c'est un appel vibrant à la mobilisation, à leur participation comme elles le font toujours, à la résolution de la crise que nous traversons, à la sensibilisation de toutes les forces sociales de ce pays pour que les réformes politiques et institutionnelles qui sont engagées, qui ont été, je dirais, balisées par le dialogue national inclusif, que leur participation au processus démocratique puisse permettre la mise en œuvre de toutes ces réformes politiques et institutionnelles pour le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit au Mali.